J'ai donc le plaisir d'ouvrir cette première table ronde autour des acquisitions du Louvre de 1933 à 1945. Et je passe la parole sans tarder à ma collègue Bénédicte Savoie, en direct avec nous de Berlin, qui est professeure d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin et professeure aussi au Collège de France, connue par beaucoup d'entre vous, je pense, sur ses recherches de l'histoire culturelle, de l'histoire de l'art, en lien notamment avec ces questions de provenance. Donc Bénédicte, si tu es avec nous, je te passe la parole pour introduire notre table ronde. Bonjour à vous toutes et tous, bonjour aux spectatrices et aux spectateurs qui seraient derrière leur écran. Je m'entends moi-même, mais j'espère que ça ne pose pas de difficultés dans votre contexte. On t'entend très bien ici, en tout cas, à l'auditorium. D'accord. Alors, je continue simplement pour saluer tout le monde pour cette journée d'études sur les provenances et l'apport des archives et de la documentation. Cette séance a été déjà présentée à l'instant et je voudrais simplement revenir sur l'importance brûlante de ce sujet, non seulement pour le Louvre, mais plus généralement à l'échelle internationale, puisque les questions qui vont nous occuper ce matin sont liées à l'occupation de l'Europe par l'Allemagne nazie, qui a concerné donc l'Europe de l'Ouest et la France, notamment, mais aussi l'Europe qu'on appelle l'Europe de l'Est, c'est-à-dire des régions considérables. Et la politique raciste du nazisme ayant conduit les familles victimes de poursuites à partir en exil dans le monde entier, on est face à une constellation, à vrai dire, mondiale, ou en tout cas qui concerne toute la partie dite occidentale du monde, et l'Australie, et la Nouvelle-Zélande, où se trouvent aussi des descendants des victimes. Donc cette question de la provenance des œuvres qui se trouvent aujourd'hui dans les musées européens, notamment, et américains aussi d'ailleurs, est extrêmement importante et elle est devenue de plus en plus importante plus le temps s'éloigne. On pourrait avoir l'idée selon laquelle 80 ans après les horreurs du nazisme, la mémoire se tasse, s'apaise, on oublie ces questions d'extrême violence et l'expérience nous montre au contraire, plus le temps passe, plus les tensions, l'acrimonie, le désir de vérité devient important. C'est pourquoi la journée qui nous réunit aujourd'hui a une si grande actualité internationale. Et le Louvre est exemplaire, à mon sens, et montre une voie très indispensable, à vrai dire, d'ouverture, de transparence en évoquant ces questions dans le cadre d'une journée d'études comme celle-ci, qui plus est, diffusée à cause de la crise qui nous paralyse tous aujourd'hui, donc diffusée au-delà des frontières françaises par le biais d'Internet. L'intérêt particulier et l'originalité de la journée d'études maintenant présente, c'est que nous allons avoir des vues, des approches variées en fonction de différentes sources. On verra donc, à l'issue de la matinée, qu'on peut aborder ces questions sous une multiplicité d'angles. On peut le faire, comme va le faire Emmanuel Polak dans la première intervention, en se focalisant sur une exposition, sur un moment qui a eu lieu au lendemain de la guerre, entre 1945 et 1946, et en essayant de comprendre comment cette exposition s'est formée. Mais on peut le faire aussi à partir des œuvres conservées aujourd'hui dans les différents départements du Louvre, comme le feront les intervenants suivants. Gwenaëlle Fehlinger qui va parler des AOR, et elle nous expliquera ce que signifie ce sigle. On connaît bien les MNR, Musées Nationaux Récupération, mais les MNR ne sont qu'un sigle parmi un important ensemble de sigles, et les AOR et les antiquités vont nous occuper dans la deuxième séance, dans la deuxième intervention. Puis il sera question des acquisitions du département des peintures
lors de l'exposé présenté par Vincent Dieulevin et Béatrice Lovic, puis du cabinet des dessins. Et vous verrez certainement au fil de ces présentations que chaque tempérament de chercheur et de chercheuse et chaque matériel d'archives présent aujourd'hui ou l'objet auquel on s'intéresse particulièrement quand on est chercheur ou chercheuse sur ces questions apporte des réponses différentes. Et c'est dans la multiplicité de ces réponses, de ces tempéraments de chercheuses et de chercheurs, de ces méthodes mises en commun que nous réussirons en travaillant à l'échelle locale comme dans un musée, comme le Louvre, mais évidemment en lien avec les autres chercheurs européens et dans le monde qui travaillent sur cette question, que nous parviendrons, et je l'espère le plus rapidement possible, les progrès de ces dernières années le font espérer, à avoir une vue beaucoup plus claire sur les passages entre le marché de l'art notamment, les collections privées et nos institutions, nos musées au cœur de nos villes européennes. Je passe immédiatement la parole à Yannick et je demande pardon d'avoir parlé de manière si bizarre, mais c'est parce que j'entends tout en double ou triple. Et je me réjouis beaucoup d'écouter cette matinée. Merci. Merci Bénédicte. En effet, je sais que ce n'est pas facile quand on s'entend parler. Donc, nous allons démarrer par notre première oratrice, Emmanuelle Pollack. Peut-être vous donner, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, la règle du jeu global de cette table ronde. Donc, nous aurons 4 intervenants et puis la place pour un débat, une discussion d'une heure dans laquelle les auditeurs, spectateurs, pourront aussi poser des questions que nous relayerons dans les 10 dernières minutes du débat. Alors, nous avons donc le plaisir d'accueillir à cette tribune Emmanuelle Pollack. Emmanuelle a réalisé un travail extraordinaire qui s'est fait connaître en particulier par la publication de son livre, qui est le résultat de sa thèse de doctorat sur le marché de l'art pendant l'occupation, et par cette formidable exposition en 2019 au mémorial de la Shoah, et signe des temps, oserais-je dire, a rejoint l'équipe du Louvre depuis janvier 2020 en tant que chercheur associé à la direction de la recherche et des collections pour travailler sur ces questions des biens spoliés. Et je lui passe sans tarder la parole sur cette fameuse exposition. Merci Emmanuelle. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous, très heureuse de retrouver certains d'entre vous. Permettez-moi, en propos liminaire, de remercier très sincèrement le président-directeur Jean-Luc Martinez de sa confiance accordée. Je remercie également Néguine Mathieu, directrice du département de la recherche et des collections. Je remercie Sophie Marmois, responsable du service récollement et coordinatrice du programme sur les MNR, avec qui nous avons le plaisir de travailler avec tous les départements. Je remercie également Marie-Claire Le Bourdelès et Isabelle Hacquet pour l'organisation de cette journée de recherche. Je remercie très sincèrement le professeur Bénédicte Savoie et vous, cher Yannick Lintz, de ces mots introductifs très agréables. Alors, l'exposition des nouvelles acquisitions des musées nationaux du 2 septembre 1939 au 2 septembre 1945 au musée du Louvre pose la question qui nous semble essentielle aujourd'hui de la provenance des œuvres sélectionnées. Comment, en ces temps cataclysmiques, témoins des pillages de l'armée allemande, des spoliations issues de l'aryanisation, des persécutions raciales principalement des familles juives, avait-on pu engranger tant de richesses? La foule se pressant dans la salle des États ou dans la salle de nom du musée du Louvre s'intéressait-elle à l'origine des nouvelles acquisitions destinées à rejoindre les collections nationales? Cette communication, dans un temps court imparti, s'attachera à inscrire la réception de cette exposition, Nouvelles acquisitions des musées nationaux, cette réception en diachronie, et en essayant de la recontextualiser et en esquissant très rapidement la question des crédits alloués de façon exceptionnelle pour les acquisitions en cette époque. Les acquisitions posent inévitablement la question du budget. En ce sens, j'ai dépouillé les procès-verbaux du Comité consultatif des musées nationaux
du 8 janvier 1940 au 2 octobre 1945. Et je vous présente donc un graphe qui, de façon assez surprenante, montre une tendance exponentielle. Assez surprenant également l'octroi de crédits spéciaux destinés à l'achat d'œuvres ayant fait l'objet des mesures de séquestre, objet de mesures de séquestre qui ont un lien à voir avec la loi du 23 juillet 1940 liée à la déchéance de nationalité des Français qui avaient quitté le territoire. Alors, vous voyez que cette courbe est tout à fait exponentielle et je dois remercier également l'ensemble des départements qui ont bien voulu remplir les colonnes qui leur étaient demandées. Vous voyez, donc tous les départements ont vraiment participé sous la houlette de Sophie Marmois pour donner ces chiffres, travail d'un dépouillement assez important. Pour ma part, je suis responsable de la dernière colonne où j'ai pointé les œuvres présentées dans l'exposition des musées nationaux. Le musée du Louvre et ses départements, mais également le musée d'art moderne, le musée Guimet, le musée des arts et traditions populaires, le musée de Versailles, le musée des antiquités nationales, le musée de Compiègne, le musée de la Malmaison et le musée de province avaient donc été invités à sélectionner les pièces les plus insignes et les faire figurer dans cette exposition. Je veux bien également la slide suivante, s'il vous plaît, où je vais vous montrer vers quoi je tends. Je tends à essayer de comprendre la ventilation de ce budget année par année, et je vous présente ici cette ventilation des acquisitions des musées nationaux pour l'année 1940, et pour lequel vous voyez qu'il y a des départements, bien sûr, qui sont tout à fait mis en exergue. Et petit à petit, je souhaiterais obtenir, lorsque les conditions me permettront de reprendre avec bonheur le chemin des archives nationales, eh bien, de poursuivre cette enquête. Mais une fois parlé des acquisitions, revenons maintenant à cette exposition où le 2 octobre 1945, le directeur des musées nationaux, Georges Salles, ouvre la séance du comité consultatif et il affirme sa grande satisfaction devant la complète réussite de l'exposition, de l'inauguration de l'exposition récemment ouverte, au moment où il dit la chose suivante, je le cite, « Cette exposition montre pleinement l'effort réalisé pendant les années de guerre. » En effet, l'exposition présentée témoignait de ce que le personnel scientifique des musées nationaux, aux heures les plus sombres de l'histoire de France, avait poursuivi leur mission en sauvant avec beaucoup de succès les collections publiques, on le sait maintenant, mais avait également participé à l'accroissement du patrimoine national. Le département des peintures proposait dans cette exposition la pièce maîtresse, le portrait équestre du chancelier Pierre Séguier, peint par Lebrun, peintre de Louis XIV, et Germain Bazin, adjoint du conservateur des peintures, à la demande de son directeur René Huyghe, proposait l'acquisition pour le musée du Louvre de cette pièce particulièrement remarquée lors de la rétrospective des chefs-d'œuvre de l'art français en 1937. Il était urgent, nous disait Bazin, d'entrer en négociation avec les descendants du modèle, soit le baron de la Chevrelière et la comtesse de Lévis-Mirepoix, tant la qualité de l'œuvre avait excité les sollicitations du Kaiser Friedrich Museum de Berlin. Cette pièce devenait donc le trophée de Sourges, la pièce de résistance de cette exposition. Les dimensions importantes de l'œuvre, soit 2,95 m sur une largeur de 3,50 m, empêchaient tout transfert clandestin. Et c'est ainsi que le menuisier du dépôt de Sourches s'était déplacé et, à la demande de Germain Bazin, eh bien, qui était l'autorité de ce transfert du château de Cherperine dans l'Orne au dépôt de Sourches, eh bien, avait demandé de confectionner un support autour de l'œuvre
pour la déplacer le plus rapidement possible, ce qui fut fait le 15 mai 1942. Cette première partie s'intéressait à des ventes réalisées de gré à gré auprès des descendants en vente privée et qui ne posent pas vraiment de problème. Je me suis attachée, plus particulièrement dans cette courte deuxième partie, à vous présenter quelques typologies de ventes réalisées par les musées nationaux dans les ventes publiques aux enchères. En effet, quelques connaissances en histoire de la spoliation artistique de la Seconde Guerre mondiale nous invitent à la plus grande prudence concernant les questions de provenance des œuvres présentées. Ensuite, je passerai donc par cette typologie d'œuvres d'art. Ici, je vous présente un nu de Eugène Delacroix dans la salle des États, dans l'angle sud-ouest de l'exposition Nouvelles Acquisitions. Cette œuvre avait été acquise lors du 11 décembre 1942, dans une atmosphère de surchauffe, dans trois salles de la vente de la maison de la rue Drouot, qui présentait la vente de dessins, aquarelles, gouaches, pastels, peintures d'impressionnistes, dépendant de la succession du célèbre docteur Georges Viau. Trois commissaires priseurs, maître Étienne Adair, maître Alphonse Bélier, maître Henri Baudouin, autorité de la vente, étaient assistés des experts André Scholler et Charles-Pierre Durand-Ruel. Parmi les acheteurs ou les collectionneurs, nous pouvons signaler la présence d'intermédiaires du docteur Erhard Geppel, qu'on connaît bien, d'Hildebrandt-Gurlitt, qu'on connaît encore mieux, et des représentants des institutions suisses ou allemandes, mais également des institutions françaises. Remarquez aussi la présence d'officiers allemands à qui les meilleures places furent allouées selon des témoignages de l'époque. Le musée du Louvre, représenté lors de cette vacation exceptionnelle, usera à 6 reprises de son droit de préemption lors de la présentation des lots numéro 1, 34, 59, 69, 95 et le lot 99 que je vous ai présenté. Ici, ce nu assis dit Mademoiselle Rose d'Eugène Delacroix. Autre vente, celle-ci en zone libre, celle du cabinet d'un amateur parisien qui se déroule à l'Hôtel Savoie de Nice du 24 au 27 juin 1942. Et en tant qu'experte de la Task Force Gurlitt en 2013 et 2014, je me suis rendue à Nice où, après une rapide recherche dans les bibliothèques municipales, j'ai pu identifier cet amateur parisien. Il s'agissait d'Armand Isaac Dorville, un avocat, homme politique, petit-fils de Léon Dorville, président de l'œuvre philanthropique La Bienfaisance israélite, qui, à l'été 1941, traqué par les ordonnances allemandes et les lois de Vichy, avait trouvé refuge à Cubjac, en Dordogne. Cette vente fut mise sous autorisation, placée sous administration provisoire, administrateur provisoire nommé par le commissariat général aux questions juives. René Huyghe, délégué pour les musées nationaux, était présent à cette vente et a pu se porter acquéreur d'une douzaine d'œuvres. Ici, je vous présente très vite la restitution par Monika Grütters, ministre de la Culture allemande, de trois œuvres aux ayants droit de la famille Dorville. Très, très vite, dernière vente, qui est la vente à la requête du commissaire gérant de biens israélites de la galerie Bing et Haas. Cette vente, je dois le signalement de cette vente à Ambre Genevois, jeune étudiante qui travaille sur le sujet et qui m'a présenté ce document sur cette vente où Georges Salles, qui n'est pas encore directeur des musées nationaux, mais demande l'autorisation le 6 mai 1943 de se présenter à la vente pour y acquérir quelques pièces pouvant intéresser son département. Et il y acquiert à ce moment-là cette importante statuette de Bouddha debout qui figure en couverture du catalogue.
Très vite, le procès de Nuremberg se tient du 14 novembre 1945 au 1er octobre 1946. Vous le savez, c'est un tribunal militaire international intenté par les forces alliées qui sont en responsabilité de juger 24 hauts responsables nazis. Le 6 février 1946, lors de l'audience du matin, l'avocat général Gerhard Hofer présente au tribunal le dossier du pillage artistique suivant. Il le dit, je vais aller très très vite, ces faits de pillage ont été souvent accompagnés de circonstances aggravantes dont la menace constante de violence qui pesait sur les populations des pays occupés n'a pas été le moindre. Le pillage des œuvres d'art apparaît donc en conséquence comme une forme de pillage économique général et les accusés doivent en répondre devant votre haute juridiction. Je vous présente ici deux photographies. Le procès, vous vous en doutez, est massivement couvert par la presse internationale. Le 6 février 1946, Rose Vallant est présente dans la salle de la presse. Elle assiste au débat de cette 52e journée des procès de la salle dédiée à la presse. Et les procès de Nuremberg étaient donc l'occasion de rappeler avec force ce que fut la Seconde Guerre mondiale, une guerre totale d'anéantissement, exil et déplacement des populations civiles, souffrance et humiliation de l'occupation et stigmatisation d'une partie de la population déportée dans les camps de l'Est. L'exposition Nouvelles acquisitions des musées nationaux fermait ses portes le 6 février 1946 dans ce contexte international. Et la question qui nous semble centrale aujourd'hui de la provenance des œuvres est définitivement évacuée. Il va sans dire que cette exposition n'aurait pas pu se tenir après le 6 février 1946. Aussi, je l'étudie comme un témoin archéologique et je l'étudie à l'aide de tous les départements. En guise de conclusion, je souhaiterais souligner que ces pillages, ces trafics, ces spoliations touchant aux œuvres d'art ont été commis sur un fond de crime infiniment plus grave. Ces vols sont indissociables du programme d'extermination des Juifs d'Europe. Travailler aujourd'hui collectivement au musée du Louvre à établir la provenance des œuvres acquises entre 1933 et 1945 dans la mission qui m'est confiée au sein du département de la recherche et des collections est un enjeu éthique et mémoriel, un travail mené collectivement, encore une fois, je le dis, à la mémoire de celles et ceux qui, partis dans d'autres trains, ne sont jamais revenus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuelle.